accompagner des pays comme ça à aller de l'avant et à faire en sorte qu'il y ait une vraie industrie en Afrique bientôt. Est-ce que vous, les réalisateurs aujourd'hui sont butés africains, les jeunes surtout, sont butés à des problèmes financiers comme le budget? Et quels sont les moyens pour accéder à des financements au travers le pavillon africain? Mais par exemple, nous avions des sessions de pitch. Nous avions une session de pitch en français, une session de pitch en anglais. Et donc, les anglophones ont trouvé des financements, certains. Les francophones, ça vient de se faire, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a des discussions qui ont commencé. Et j'espère vraiment que d'une manière ou d'une autre, nous allons arriver à ce qui trouve de plus en plus de financements. Parce que c'est de cette manière-là, en rencontrant des gens, en travaillant avec eux, en faisant peut-être des coproductions, on ne doit pas seulement s'attendre à ce que les pays financent les films parce que manifestement ils n'auront pas les moyens. Il y a des fonds, il y a des stratégies à mettre en place. On a une formation, un panel plutôt sur comment faire appel à des fonds. Il y a différents types de fonds, comment travailler en amont pour savoir quel type de financement chaque financier donne et donc aller vers eux en connaissance de cause. Donc c'est vraiment un travail de fond que les producteurs doivent faire et ça n'arrive pas tout cru, tout cuit dans la bouche. Il faut vraiment travailler, mais on est là justement pour accompagner, pour permettre aux gens d'avoir les belles rencontres. Est-ce qu'il y a aussi des moyens de postuler pour Non, pas vraiment. Ce qui peut être fait, c'est que des gens envoient leur projet et moi, j'essaie de trouver avec qui ça peut matcher. Il y a déjà des projets qui sont en cours. Non, mais bon, personne ne veut en parler quand c'est déjà assez avancé. Et j'espère que l'année prochaine, on aura peut-être le premier projet qui aura trouvé un financement à Pavillon Afrique et qui sera peut-être tourné et terminé. Je vous en prie. C'est-à-dire que c'est un budget. Mais moi, j'ai travaillé avec un autre.